Ah, ben voyons! Vous ici présents? Ben voyons donc, vous autres là! Hey, ça se croit tout permis de rentrer dans ma chambre comme ça, sans crier gare! Je me suis dit, pour commencer la vidéo, pourquoi pas se faire un petit maquillage, hein? Parce que je sors de la douche, puis là, on a du pain sur la planche, ok? Du pain à l'ail sur la planche. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Cassandra? Pourquoi tant de pain sur la planche? Il se passe aujourd'hui, ok? Le consigne action m'a mise au défi avec Madame Amy Lalune. Excusez, il faut que j'attende aussi mon maquillage, je ne peux pas que discuter. Alors, Consigne Action nous a mis au défi de jouer aux Olympiades aux conséquences. J'ai-tu mis trop de bronzer? Parce que j'ai la joue brune, je pense qu'on a un petit problème. Mais ouais, moi, il n'y a aucun défi qui est trop grand pour que je le relève. Puis des Olympiades, c'est quelque chose que j'ai jamais fait sur ma chaîne YouTube. Puis moi et Amy, on s'est dit, pour rajouter un petit spicy, la perdante de toutes les activités qu'on va faire aujourd'hui va se mériter des conséquences, bien sûr! Sinon, ça serait plat. T'sais. Moi, c'est pas la première fois que je collabore avec Consigne Action, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de mes valeurs. Puis je trouve que c'est une action de plus au quotidien qui est tellement juste simple à acheter dans son quotidien. J'ai dit deux fois le mot quotidien, hein? Fait qu'on s'entend que c'est quelque chose qui est simple dans notre quotidien, ok? J'aime ça les actions que tu peux faire au quotidien qui font une différence sans que toi tu la sentes nécessairement la différence dans ta vie, sans que nécessairement ça te prime. T'sais, consigner, là, ça hypothéquera pas ta journée, là, tu comprends? C'est pas désagréable, c'est simple, rapide, puis tu fais une bonne action pour l'environnement et ça c'est important. C'est fou à quel point qu'on se rend pas compte que le plastique c'est utilisé dans tout. À titre d'exemple, il faut 25 bouteilles de 2 litres de plastique pour faire un sac à dos. Il faut 90 bouteilles de 2 litres pour faire une tente de 2 places. Parce que du plastique, ben il y en a partout, hein. Ça c'est du plastique. Ce petit truc, ce petit goody, c'est du plastique. Il y en a partout du plastique. Fait que bref, très fière de faire partie de cette campagne et de pouvoir mettre de l'avant de belles valeurs et avoir du fun avec ma chum Amy. Fait que là, il nous reste plusieurs étapes, hein, à la journée. Première étape, ça va être de finir ce maquillage. C'est tout moi, ça fait une demi-heure que je me mets de la poudre d'en face, hein? Je pense que oui. Je sais pas si vous saviez, mais les bouteilles recyclées là, quand tu vas les consigner, mais elles sont recyclées à 100%. 100% c'est beaucoup de pourcentage. 100% c'est la bouteille complète. Ça vaut la peine. Fait que pour la nature, respect. Puis là, on attend Amy Lalune avec impatience et on se voit dans... Ben, immédiatement en fait, parce que pour vous, au montage, vous allez n'y voir que du feu. Amy va être déjà arrivée. Pouf! Amy Lalune est apparue comme par magie! Oui! Bonjour, mon ami! Je suis tellement contente de vous voir. Comment allez-vous? Non, mais pareillement, ça va super bien et toi? Du coup, nous allons tous les deux très bien. Nous allons très bien pour notre vidéo super chouette! Et vous, comment allez-vous à la maison? Yeah! Aujourd'hui, c'est les Olympiades! Merde, on a eu tellement du fun à filmer ça au parc! Ouais, on revient tout juste à l'instant du parc. Nous avons donc réalisé plusieurs Olympiades! Non, mais je vous le jure, vous savez pas quoi faire pour entertain des jeunes des Canadiens. Ça n'en prend pas plus. Et un peu d'imagination! On a passé les deux, même! Ouais, tu sais, des canettes vides, d'imagination, ouais. Tant que vous allez les consigner après, je veux dire, ouais. Hurrah! Parce que dans le fond, aujourd'hui, c'est Olympiade ou conséquences. Les conséquences sont sous ma tête. Fait que dans le fond, la gang, si vous aviez pas compris, ceux qui ont perdu aux Olympiades vont piger une conséquence. Exactement. Et vont devoir, ben, faire la conséquence. Exactement. Et le premier jeu que nous avons fait était... La canne sans tête! La canne sans tête! Et contre toute attente, ça a pas été facile dans mon cas. Mmh. J'ai rushé, le vent était contre moi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça a été très difficile et... Avec tout ça, j'ai perdu. I'm the loser. Hey, je me trouvais bonne, pourtant ma tête est pas plate du tout, là. Ben, ça s'y méprendre, hein. Ouais, c'est son. Elle fait chier. Fait que, première conséquence, ça va être moi qui va la faire. Oui, j'ai vraiment hâte de voir ce que tu vas piger. Personnellement, ben, j'ai une préférence. Ah ouais? J'aimerais vraiment ça que tu piges cette conséquence-là. Oh, elle ferait la gagne. Première conséquence. C'est là que ça joue. Sauce piquante! Oh my god! Croire que je commence avec ça, la gang! Moi, je me souviens que t'avais dit que la pâle, c'est la plus piquante, fait que je veux que tu prennes celle-là. Ah, mais j'aurais tellement aimé ça que tu la fasses, parce que toi, tu l'as jamais essayé. Non, mais crime! Hey! Oh! Juste à l'odeur à 30 minutes que dans la gorge! Pour vrai, elle a l'air de rien, la gang, parce que tu te dis comme, elle a l'air d'avoir une espèce de texture mayonnaise, mais c'est la sauce piquante la plus épicée que j'ai mangée de ma vie. Je me souviens que t'avais dit que c'était la pire, c'est pour ça que je l'ai choisie. Ah, j'en reviens pas. En plus, je me suis dit, elle s'en rappellera pas, hey, je pourrais jamais manger tout ça. Non, mais je me rappelle de tout ce que tu me dis, ma chum. Ça a l'air de rien, en plus, je suis sûre que vous dites comme, elle niaise. Mais non, elle niaise pas. Bon, ben, en tout cas, ça sera le début et la fin de. J'ai touché la sauce, faut pas que je me touche les yeux, là. Ça serait ton karma. Hey, non! Hey! T'as perdu! Maintenant, c'est le temps. Bon, mais adieu. Merci d'avoir été abonné à ma chaîne. Hey, tu l'as pas pris au complet! Je vais crever.
t'es pas game d'écouter. Later, 20 minutes later, 3 weeks later. Much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. On va reprendre les esprits. Tu m'en veux pas trop. Ouais, ça a pas de sens la gang. Prochain défi. Prochain défi. Prochain défi des Olympiades, c'était le basket. Le basket. Ça sonne bien. Le vase canette. Dans le fond, on avait comme un genre de truc rond, pis il fallait lancer les canettes dedans. Avec chacun 3 canettes, donc 3 chances. Il fallait en lancer le plus possible. Et moi, comme vous pouvez remarquer, j'en ai eu aucune. Alors que moi, j'en ai rentré 2. Donc, j'ai encore perdu. Ma conclusion, c'est que t'as une autre conséquence. C'est que j'ai une autre conséquence. Et je me suis pas encore remis de la sauce piquante. Donc, pour vrai, ça va bien. Non, je passe une belle journée pour vrai. Vraiment contente de tout ça. Oh my god, en plus, c'est toute la bouffe, genre. Hey, non, mais c'est... les conséquences, vous les voyez pas, sont en face de nous. On vous garde la surprise, mais sont toutes horribles. Il y en a pas une moins pire, genre. Boucher d'oignon! Ah, oui, je t'attends que tu te prends! Non! Non! Hey, j'ai les pires conséquences. C'est croqué, là. Non, mais une bouchée d'oignon, c'est l'horreur. Mais ça sent tellement bon, un oignon, par contre. Ouais, ça sent vraiment bon. Mm. Ah non, mais c'est horrible. Ça va te faire pleurer. Mais c'est ça l'affaire, c'est que moi, j'ai encore la sauce piquante, là. Rappelez-vous, OK? Ah, mais toi, ça va peut-être aider. Sûr que ça va aider. Je ne penserais pas. C'est tout doux, un oignon. Bon, pour être honnête, moi, je suis allergique aux pommes, fait que ça fait tellement longtemps que j'ai pas croqué dans quelque chose. Imagine que je me pète une dent, comment je serais pas dû. Ben non. Imagine. C'est pour vous, la gang. Oh non, la toile a tombé! Ça, c'est moi. Ah, tu pleures! C'est tellement violent, un oignon! Mais c'est parce que quand c'est cuit, c'est doux. Mais c'est full fort, cru. C'est pas doux. Ben, je confirme, l'oignon était pas doux. C'était pas doux de chez pas doux. Oh mon dieu. Troisième défi. On avait le yoga canette. Oh, le yoga canette. Ce fut une expérience, ma foi, assez excitante. C'était très excitant. J'étais à l'arrière d'Emile la Lune. Oui. C'est elle qui me guidait. Oui. Et j'ai suivi toutes les manœuvres. J'ai hâte de voir si tu les as faites comme il faut parce que moi, je te voyais pas. Ouais. Fait qu'il fallait mettre une canette sur la tête et faire les manœuvres sans la laisser tomber. Oui, puis la première qui faisait tomber sa canette perdait. Et cette fois-ci, la loser, c'est madame Milalu. J'ai perdu, alors c'est moi qui faisais les manœuvres, imagine. Ouais, elle était justement peut-être trop concentrée. Fait que moi, j'avais comme un dessin allé, je pouvais comme vivre le yoga. Et maintenant, vive ta conséquence. Une cuillère de purée pour bébé. La purée de bébé, ça m'écœure beaucoup. Genre, c'est vrai. Toute la bouffe. Ok, c'est ça, c'est comme une purée de bébé, mais aux petits légumes. Ouais, mais je tiens à dire que... Tu veux dire quoi, Amy? T'es plus là. Ouais, je tiens à dire que la purée pour bébé, ça me donne un peu l'eau de cœur. Parce qu'en fait, c'est comme un repas, mais blendé dans le blender. Ouais. Ah, oh, mais ça sent pas si mauvais. Un oignon pis de la sauce piquante, là. Tout un petit repas fancy découpé. En vrai, du vomi. Ah, ça m'écœure tellement. Tu mets tout ça dans ta bouche, hein? Non, mais oh my god, l'odeur, je peux pas. Je peux pas croire que tu trouves que ça sent bon. Ben, on dirait que je mange du vomi. C'est vrai. Bon appétit! C'est ça, c'est bon? C'est bon? C'est pas super. Quand j'oublie que c'est... Ouais, quand j'oublie que c'est... Ouais. Ah! Ça, tu... Voir que Amy, sa première conséquence, c'était si simple. Mais c'est pas bon, achetez pas ça. Mais pour les enfants. Mais je comprends pourquoi les enfants veulent pas manger ça. Mais par contre, moi, quand j'étais jeune, je mangeais souvent les petits pots de bébé aux fruits, genre. Oui, mais aux fruits, c'est sûr, c'est bon. Mais il faut pas que tu leur donnes trop vite aux enfants la purée. Faut que tu leur donnes lentement. Non. Non, mais trop
trop vite dans leur progression dans le temps. Pourquoi? Mais parce que s'ils mangent du sucré, ils n'ont plus mangé la purée. Ah, ben je comprends, parce que ça goûte le cul. Ben c'est trop bon, le sucre. Ben oui, fait qu'il y a mieux les fruits. Mais c'est surtout que ça, c'est trop dégueu. Ouais, c'est trop dégueu. C'était quand même une cool conséquence, là. Je réalise que. Je suis vraiment déçue. Genre, la sauce piquante, crème. T'en as souffert pendant 10 minutes, là. On l'a pas vu dans la vidéo, là. Ben, j'en souffre encore, en fait. À vrai dire, j'en souffre encore. Et puis, dernier défi! Sur ma chaîne YouTube. Parce qu'on a fait 4 autres défis sur la chaîne YouTube à Amy. Fait que vous irez voir la suite. Une part 2 de plein de plaisirs et de conséquences. Venez. Ben, plein de plaisirs, plein de conseils et conséquences. Ouais. Plein de conseils et conséquences. Ouais, c'est ça. Fait que, dernière activité que nous avons faite des Olympiades, c'était le tennis canette. Le tennis canette. On va l'appeler le badminton. Le badcanette. Le badcanette. Le badcanette. Donc, nous avons chacun pris une raquette. Une raquette. Nous étions en compétition. Une féroce compétition. Et là, pouf, pif, pouf. La première qui avait 3 points allait gagner le match. Ouais. Et là, pouf, pouf, pif, pif, pouf, pouf, pif, pouf, 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 pif. Et là, je perds, tu gagnes, je gagne, tu perds, je gagne, pour finalement faire en sorte que tu perds. Tu gagnes. Évidemment, hein? Fait que moi, j'ai perdu 3 fois dans cette vidéo, ce qui est vraiment super. Mon Dieu, j'ai la belle vie dans cette vidéo. Oui, tu as vraiment la belle vie ici. Et pas moi. Fait que la gang, ça veut dire que j'ai une autre conséquence. Ah, je me demande, ça va être quoi? Dans... Cuillère de cannelle! Non. Cuillère de cannelle! Moi, j'adore la cannelle. Moi aussi, j'aime ça. Commençons. J'aurais voulu choisir cette conséquence-là. Pour l'instant, c'est pas elle qui me ferait le plus, mettons. Mais on pourrait être surpris. Mais vu que c'est genre la petite poudre, genre, c'est que ça te remonte dans le nez, on dirait. Mais j'ai l'impression. L'expression. J'ai l'impression que ça va comme tout aspirer ma barbe, genre. Ah, ta bouche va être toute sèche après. Oui! Ouais, je comprends. J'ai un désir. Bon, ben. À la tienne! À la mienne. Attends, excusez, il manque un petit peu de courage. T'aimes-tu encore la cannelle? Ah, c'est dégueu! Amy, qu'est-ce que je fais? La gang, ça va pas. C'est la pire conséquence. Mais qu'est-ce que c'est passé? J'en ai plein d'un. Oh my god, mais qui pourrait croire qu'une petite cannelle insignifiante serait autant violente en bouche? Sur ça, la gang, j'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, perso, je l'ai adorée. J'ai vraiment adoré cette vidéo. C'était vraiment un honneur de faire des conséquences. Hein? Toi, Amy, t'as-tu trouvé ça difficile de faire des conséquences? Oui, c'était vraiment difficile de manger de la purée pour bébé. Pour vrai, c'est la plus difficile conséquence de l'univers. Et merci à Consigne Action d'avoir collaboré à cette vidéo. Oui. Maintenant, c'est le temps d'aller consigner nos cadeaux. Oui, on va y aller. On y va de ce pas. De ce pas, c'est important de consigner. C'est important d'être consigné. On a eu du plaisir avec les canettes, mais maintenant, il faut les consigner. Mais oui, toujours. Toujours. J'ai la cannelle dans le fond de la gorge et dans le nez. Ouais. C'est-tu normal? Pas moi. Fait que merci d'avoir écouté la vidéo. Je vous aime.